Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de l'épopée The Legend of Zelda avec le premier donjon. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je ne sais absolument pas ce qui m'attend dans le donjon. Alors les chauves-souris, classique. Et comme d'habitude, j'imagine qu'en les battant toutes, voilà, petite clé, récupérée. Vous voyez, en haut, on voit bien que j'en ai récupéré une. Et ça va sûrement me servir à ouvrir la porte qui est là. Par contre, je suis curieux de voir ce qu'il y a à droite. Oulala, des squelettes. Mais avec l'épée blanche, je vous le dis, ça devrait passer. Ah, au fait, grosse erreur. Enfin, pas grosse erreur. Ah tiens, en fait, il y en a deux. Ah bah, j'ai bien fait d'y aller. En fait, le truc, c'est que mon épée, bizarrement, je voyais rien sur mon écran, mais... pour de vrai, on y voit. Et il y a une vraie différence entre l'épée et le sol. Mais je sais pas pourquoi je la voyais pas, moi. Enfin bon, c'est pas très grave. Ce n'est absolument pas un souci. Voilà, bon, bah pour le moment, très simple. Hein. Plus tard, on aura la map. Attendez, quoi que, on peut peut-être déjà la voir. Ah oui, vous voyez. Ça, c'est une vraie map. Ça me plaît. Et le reste, c'était tout bidon. Hein. Oh purée. La montre. Voilà. Et encore une petite clé. Bon bah, maintenant on va à gauche. J'aime bien aller à gauche. Je suis gaucher, donc je vais à gauche. Ah ouais, là par contre je suis coincé. Hop, hop. Ouais, bon c'est sûr qu'en termes d'action, il n'y a pas... Enfin, ouais. Ouais. Voilà, j'ai plus qu'une petite clé. Ah, des slimes. Énorme. Les petites bouboules, ça y est. Alors, attendez, je crois que... Ouais, classique. classique. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Le secret est plus à l'est de l'île. Ouais. Oh, putain. Ah ouais, hey, j'ai réussi à le toucher. Oh, il veut me tuer, le vieux. En même temps, j'en ai collé une, mais... Ah, je pensais pas qu'il allait me shooter, hein. Je croyais qu'il était immunisé comme la plupart des persos, mais non. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la map. Hop, dégage. Ah, bah voilà, une map portative. Ça, c'est du bon. Ah ouais. Putain, saleté. Oh! Non, je veux pas crever, quand même pas. Alors, ouais, mais ça veut pas... Enfin, ça m'indique pas où c'est qu'il y a des entrées et tout ça. Là, faut utiliser... Ouais, mais j'ai pas. Enfin, je sais pas s'il y a le nombre suffisant de clés. Donc, je vais retourner un peu en arrière. J'espère que les mobs repopent pas. Ah, je l'espère. Non, c'est bon. En théorie, ils devraient pas revenir. Ouais, donc, bon, dans la vidéo précédente, je disais que la musique était sympa, mais en fait, elle est chiante au bout d'un moment. La boussole, c'est peut-être ce qui me manquait le plus. Oh, attention! Ok, projection vers l'ennemi. Et là, on voit les coffres... Attendez. Merde, il fallait effectivement aller là où on... Enfin, là où on était. Mais maintenant, j'ai récupéré la boussole. Donc, ça va. Ah, mais la map, oui, c'est la map en entier. D'accord, très bien. Bon, bah, on va aller là où ça clignote, hein. Bon, ne vous en faites pas pour le découpage des vidéos, je sais directement ce que je vais faire. Hein. Une phase. De toute façon, ça se résume à ça, hein, le premier épisode. C'est un passage hors donjon, un autre passage dans le donjon, une autre séquence hors donjon, etc. etc. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Attendez, est-ce que ce truc qui clignote, c'est le boss? Ou alors, c'est... Oh putain, ils sont résistants, ceux-là. Ou alors, c'est l'item. J'ai peur, là. Oh, le boomerang, énorme. Allez hop, on va l'équiper. Alors, voyons voir comment il fonctionne un peu. Ouais, donc là, il nous suit. Ah, il décrit des diagonales. Ah ouais. De belles diagonales pour le boomerang. Ouais, mais sérieusement, c'est... Oh, putain. Encore. Oh non! Putain de merde, c'est saleté de... Il m'emmène où? Et voilà, putain. Oh, la main à la con qui revient toujours dans chaque épisode. Putain, et en plus, je dois tout me refaire. Ah bah oui, c'est l'entrée du donjon, évidemment.
Ah non, mais c'est saleté de main, mais. Ouais, ah bon, c'est. Ok, c'est vrai que d'habitude elles sortent du plafond, mais bon, comme ici on est en 2D. Oh putain, je m'y attendais pas à ça. Franchement, je m'y attendais pas. On va devoir recommencer. Ouais, il faut tout se retaper, hein. Bon, je vais juste voir s'il y a de la vie dans le coin. Hop, hop, voilà. Non, il n'y a toujours rien. Ça m'inquiète, sérieusement. Je sais pas. J'arrive pas à voir qu'est-ce qui. Où est le boss, en fait? Il n'y a pas une indication? Non, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Ah putain, mais la musique, quoi. Stop. Je l'entends puissance 10 000, moi. Au secours! Bon, de toute façon, je sais. Ah, attendez, il y en a un qui a la clé. Ça tue, ça? Non, ça immobilise. Ok. Hop, voilà. File-moi la clé. Mais je crois que là-bas, c'est. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que là-bas, c'est plus. Le boss, non? Qu'est-ce que c'est que ce point lumineux? Ah, j'aime pas, moi. Moi, tant que j'ai pas tout visité un donjon ou quoi que ce soit, j'aime pas aller directement au boss. Voilà, c'est ça. Si je tombe directement sur le boss, je suis pas content. Ah, ouais, ok. De toute façon, lui, on s'en fout. Parce que si jamais on se fait choper par la main, allez, vite. Voilà. À choper. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, ça, c'est bon. Oh purée, elles sortent du mur, hein. Oh merde, c'est le boss. Putain, non, non, non. Ouf, 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 ouf. J'ai pu réussir à l'esquiver. La porte ne se ferme pas, tant mieux. Ah non, mais hey, attendez. Là, c'est ouf. Le boss, direct. On tombe sur lui. Rien à faire. Bon, en fait, là, j'ai compris. Le petit point lumineux, c'est tout simplement le fragment de la Triforce. Voilà, c'est tout. Attends. Oh, purée. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Ah, attendez, son boomerang, il me fait pas de dégâts. Ah non, ça me ramène vers lui. Et du coup, bah, je me prends des dégâts. Ok. Mais là, j'ai envie de visiter en haut parce que. Parce que je vous l'ai dit, voilà. Moi, j'aime bien tout visiter de fond en comble pour voir si j'ai pas oublié un truc. De toute façon, dans les Zelda, c'est comme ça, j'aime bien faire tout à 100%. Sinon, je suis pas content. Par contre, là, il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein. Ouais, on n'en récupère pas des masses. Mais le fait que les mobs repopent pas, ça me plaît. Voilà, il me reste ma dernière petite clé. Si j'ai du fric à l'avenir, j'en achèterai d'avance pour voir. Ah bah là, je fais comment là? Oh purée, est-ce que j'ai ouvert une porte de trop? Oh non, non. Ah d'accord, oula. Eh, c'est vicieux ça, hein. J'obtiens une clé juste en battant les mobs. Ok, donc là. Ouf, purée, mais ça c'est vicieux ce truc. Donc normalement, petite énigme. J'espère. Attendez. Est-ce qu'on peut pousser? Non. Alors, peut-être avec une bombe. Hop. Voyons. Que dalle. Non, 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 en plus j'ai pas de. Ça m'étonnerait qu'elle existe la plume. Donc pour les passer, ces trucs, ça va être chaud. Oh! Ah bah voilà, c'était là le passage. Très bien, et maintenant. Ah, une petite phase de 2D. Une petite phase 2D avec l'arc? Énorme! Donc en petite phase 2D, on peut attaquer vers le haut du coup. Bon, même si techniquement c'est la même animation, mais. Oh là là, l'arc! Mais alors ça c'est énorme. Alors voyons combien j'ai de munitions. D'accord, j'en ai même pas, donc du coup je pourrais même pas attaquer le boss avec. Très bien, parfait. Un arc sans flèche. Oh les radins. De toute façon il va falloir que je repasse par là. Aïe. Ah mais comment tu veux? Heureusement, les ennemis ne reviennent pas, mais alors le boss, je le sens pas trop parce que. Je sais pas si vous avez vu l'état de ma barre de vie. Sachant que je connais pas du tout ses attaques. Ouais, non, mais c'est bon, je suis mort. Comment est-ce que je pourrais faire? Voyons voir. À part si éventuellement un monstre me laisse une fée. Ce dont je doute. Non, mais ça, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, je peux les battre avec le boomerang. D'accord, très bien. Hop, tiens, prends ça.
Mais par contre, la musique, quoi, s'il vous plaît, mes oreilles. Ouais, non, mais je crois qu'en fait, il n'y a que deux pistes dans tout le jeu. Ah ouais, ça doit être ça. Ah, mais c'est affreux. Toujours écouter la même musique, encore et encore. Ah d'accord, en fait, ça me touche. Ouais, je sais pas, est-ce que je me suicide ou un truc dans le genre? Ah, de toute façon, on va peut-être tenter le boss pour voir. Avec un peu de chance, je le battrai. Est-ce que... Non, apparemment, le boomerang, ça marche pas. Dans ça. Ouais, il a pas l'air très méchant. Oh, attention quand même à ces bouboules. Ouais, ok. Et il est déjà battu là? Non, c'est une blague. Oh purée, je crois qu'on a trouvé encore plus facile que Goma. Ah ouais, ce boss-là. Vraiment easy, hein. Je l'ai battu avec un demi-cœur, n'importe quoi. Ah, un des morceaux de la Triforce. C'est pas la Triforce complète, hein. C'est un petit fragment d'un des morceaux de la Triforce. Donc en gros, une miette. Voilà. C'est parfait, ça. Et ben voilà. Bah du coup, pour une autre vidéo, ça sera tout ce qui est exploration, tout ce qu'on peut faire en attendant d'atteindre le deuxième donjon. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.